Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs. On se retrouve avec Katox. Salut Katox. Salut. Et du coup, on reprend le jeu. Alors, on venait de terminer, tant bien que mal, de préparer des petits tapis bleus. Donc on a une réserve de tapis bleus qui va se constituer si jamais tu as besoin. En plein milieu de la zone de production là. Ok. Et n'hésite pas à la nourrir avec les tapis rouges que tu récupéreras du coup. Et on m'a dit que je m'étais planté dans un tapis quelque part en me pensant m'être trompé de sens. Alors c'est pas ici. C'est pas ici. Merde, parce que je me suis planté. On m'a dit je m'étais gouré de sens, je pensais m'être gouré de sens et qu'en fait je m'étais pas gouré de sens et que du coup en corrigeant mon gourage de sens, ça avait foutu la merde. Mais j'ai pas l'impression. Ou alors ça m'échappe. C'était peut-être pour les potions violettes. Non, ouais, les potions violettes elles marchent. Ouais, elles font le taf C'est les dur. potions violettes. Reprendre, c'est dur. Ouais, oui, alors ouais, c'est vrai que du coup, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas tourné. Ouais, Qu'on ça fait avait. un certain moment. On avait pas mal d'épisodes d'avance et on a eu des petits problèmes de santé, congé, absence, machin. Donc du coup, c'est vrai que ça fait quelques temps du coup. On va reprendre les choses en main petit à petit. C'est ça. Va Pas de falloir. précipitation. Il va falloir y aller doucement. Donc du coup, ça fonctionnait toujours plus ou moins pour les potions violettes, mais pas trop. Enfin, mais pas dingue, on va dire en tout cas. Ici. Ici, ce qu'on pourrait faire, c'est inverser peut-être ces bras là. Voilà, histoire qu'au moins on gâche un petit peu moins de comme ça. Pareil ici on a un truc électrique qui traîne pour que dalle. Non merde, c'est pas ça que je voulais faire. Help! Quelles sont les touches? Voilà, on réinjecte les fours électriques là-dedans, ça aidera toujours un peu. Pareil ici, on a un paquet là qui s'entasse pour Cuddle. On pourrait mettre ce bras là. Et puis du coup virer ça. Ça aussi d'ailleurs. Alors, je ne sais du coup pas du tout ce que j'ai foutu avec les tapis, mais je ne vois pas de tapis a priori dans le mauvais sens, donc je n'hésitez pas à me repréciser ce que j'aurais éventuellement foiré, parce que non, là, les bras sont bien, donc c'était pas là. Et il me semble que c'était sur les potions jaunes qu'on m'avait dit ça. Alors, j'ai pas encore fait le trajet qui les amène, mais. Là, les trucs bleus, c'est dans le bon sens. Ici, les potions jaunes ont l'air d'aller dans le bon sens. Ici, ça va dans le Quelque bon chose que tu sens. aurais corrigé par la suite. Peut-être quelque chose que j'ai corrigé, mais on a pas eu d'autres épisodes encore de paru, donc ou alors peut-être que les gens m'avaient mis un commentaire avant d'avoir regardé la fin de l'épisode. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Nous verrons. J'ai envie de dire. Alors, il fallait que du coup, on amène ces potions. Pour ça, il nous fallait des engrenages. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est des moteurs ça? La vache. Et on a une sacrée production de moteurs. Et ici, pourquoi on produit pas plus de moteurs? Parce qu'on n'a pas de circuit électronique. Pourquoi on n'a pas de circuit électronique? Parce que eux ne fabriquent pas de circuit électronique parce qu'ils ont plus de fer. Ah, ils ont plus de... on a plus de plaque de fer. C'est quoi ce montage à la con hein? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah si, c'est pour déposer. Non, pardon, c'est bien. Donc c'est vrai que les plaques de fer sont censées arriver là. Et elles se font totalement cannibaliser ici. D'accord.
Ah oui, même modèle grand cannibale, quoi. Carrément. On a un petit souci avec les plaques de fer, visiblement. Ah bon? Ah oui. C'est le truc qu'il fallait que je regarde. Elles arrivent, mais un peu au compte-gouttes. Il faudra limite une deuxième. Ouais, une deuxième production en fait. Un deuxième tapis. Ça pourrait être pas mal un deuxième tapis. Ouais, par exemple, pourquoi? On a de la réserve là? Ouais, on a plein de réserves dans nos tampons en plus. Donc, non, il faudra un deuxième tapis tout simplement. Je vais corriger ça. Putain, j'ai viré tous mes tapis rouges pour les mettre dans les bleus. Du coup, j'ai plus de tapis. Voilà. Alors, du coup, des tapis bleus. Ça, on vire. C'était les clics molettes pour virer. On prend ça, on met ça là. Hop, voilà, bon là ce sera qu'un bleu pour l'instant. Pourquoi ces panneaux là hein? Pourquoi ces poteaux? Ils servent à rien ces poteaux. Cassez-vous. Voilà. Ça va permettre d'augmenter un petit peu déjà l'arrivée. Bras robotisés haute capacité. C'est ce qu'on a mieux que ça maintenant. On a des bras robotisés haute capacité filtrables. Ok, donc on n'a pas mieux. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est passer ça en bleu aussi. Comme ça, au moins, ils évacueront plus vite. Voilà. Bon, ça suffit pas encore, hein. Alors on peut virer ça. Voilà. Petite accélération, vous ne m'en voudrez pas. Ouais, la création d'engrenage, c'est un peu la teuf, hein. Ouais. Et pourtant, ça suffit pas, quoi. Vache. Voilà, avec l'arrivée de plein de fer, ça va aider. Ouais, ça Ouais, arrive à bonne. passer, mais ça reste juste quand même, hein. À la sortie là de cela, il reste plus grand-chose, quoi. Bon, mais ça commence à se refaire, tu vois. Ouais. Le stock commence à se refaire, donc c'est bien. Du coup, on va s'occuper d'amener les potions jaunes. Alors, les potions jaunes. Comment on va les intégrer? Truc. La réserve de tapis rouge. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner un peu de place là, jusqu'où on peut aller ici. Voilà, comme ça on va pouvoir foutre un bras là éventuellement si on veut. Bon, après, on peut faire arriver les potions. Potions vertes, elles sont sur une seule ligne. Ouais, elles sont sur une seule ligne. Ce qui veut dire qu'on pourrait faire arriver les potions bleues ici par exemple directement. Ouais, là ça va trop loin ça. Ça ne sert à rien d'aller dans ce sens-là. Hop. Est-ce que ça va suffisamment loin? Parfait, juste pile poil assez. Putain, lâchez-moi. Alors je vais récupérer des tapis rouges de manière totalement nawak. Hein. Vous ne m'en voudrez pas. Enfin, si je sais que vous m'en voudrez, mais. On va dire que c'est pas grave. Ah. Putain. Putain de tapis. Lâchez-moi. Voilà. C'est parti.
Donc on a dit non, on a dit qu'on allait même jusqu'ici. Bah, j'accélère un petit peu la production de tapis. Ah, tu es bien urbain. Ah, le défaut, c'était la tête bleue que t'avais mise, elle avait pas assez de capacité. Maintenant, c'est la capsule du bréchant qui n'a pas assez. C'est normal que... Ah, t'as mis le coffre au-dessus, d'accord, je me disais, t'avais viré le coffre. Oui. Ouais, le lubrifiant, ça va être ma mission d'après, après les jaunes, là. Dès que j'aurai terminé les jaunes. Il me faut des convoyeurs souterrains. Putain, il me faut plein de trucs. On n'avait pas déjà un truc qui transformait les convoyeurs jaunes, là, quelque part, où je l'avais viré. Ouais, si, c'est ça. Fallait qu'on mette des convoyeurs là et y transformer. Ok, bon, de toute façon, il me faut des convoyeurs. C'est le fer qui manque. Hein. Il faut du fer. Ouais, ça va. Là, je suis en train d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'ils foutent eux ? Je dis pas qu'ils viennent me chercher mon fer. Non, ils viennent me chercher mon cuivre. Bon, écoute. Si tu veux, ça me dérange pas. Voilà, on va faire 3 comme ça. Et ça sera fait. Allez, c'est parti. On a des potions jaunes. Alors maintenant on est limité clairement par les potions violettes qui n'avancent pas. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas suffisamment de rails, c'est ça? Si ça bosse, ici ça bosse, il n'y a pas assez de rails, il n'y a pas assez de modules de productivité. Voilà, l'approvisionnement en fer, ça va. Alors, les rails, pourquoi vous avancez pas? Qu'est-ce qui vous manque? Des barres de fer, il vous manque. Elles arrivent là, les barres de fer. Elles viennent d'où? Elles viennent de là. Ah oui, bah ok, c'est les plaques de fer qui manquent. Sans grande surprise. On peut descendre toi d'ailleurs. Ah non, c'est trop haut là, d'accord. C'est bon à savoir. Ouais, ça se voit quand ça commence à s'améliorer, à s'accélérer un peu. Hein. Ouais. On a aussi un problème d'électricité visiblement. Intéressant. Ah oui, on produit 30,6 MW et on a besoin de 41. Tiens donc. Alors est-ce qu'on a un problème de production ou est-ce qu'on arrive aux limites de ce qu'on peut balancer? On arrive aux limites de ce qu'on peut balancer, je parie. Ouais, tout a l'air de... T'as aussi les lasers. Ah oui, lasers, ça reste ponctuel, quoi. Ouais. Là, c'est de manière... manière constante, quoi. Après, on est de nuit, donc en plus, les panneaux solaires ne font pas le taf. Et ouais, ici, c'est pareil, c'est blindé à mort. Bon bah va falloir pomper un peu plus, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que tu veux t'en occuper ou jette un œil? L'électricité? Ouais. Je veux bien regarder, je suis en train de gérer un peu le fer, essayer de voir comment je peux améliorer les choses. Bah je peux regarder, est-ce que faire plus de panneaux solaires ça aiderait? Je vais rajouter une vingtaine de panneaux solaires pour déjà essayer de charger un peu les accumulateurs. On va faire un autre champ de panneaux en dessous des chaudières ici. On a un espace vierge ici.
Oh, on pourrait le mettre au milieu aussi, hein, on a rien. Ouais non, on va finir par construire des trucs un jour ou l'autre. Le fer, c'est fait, ça va se régler parce que l'acier est complet, presque. Ah, cool. Donc, c'est-à-dire que petit à petit, les deux fils de fer vont totalement se remplir. Fils de fer. Bien joué. Voilà, ben voilà, on est déjà en... Tout est blindé. Il est bien. J'avais pas encore fait une fabrique de panneaux solaires. Hein. Il faut quoi? Du cuivre, de l'acier, des circuits électroniques. Ah, les circuits électroniques, c'est tellement la déche. Encore. J'ai même mis des bras lents pour forcer à ralentir, quoi. Mais... Ah bah nickel, ça y est, on a un max de rails. Donc du coup, maintenant qu'on a des rails, qu'est-ce qui manque? Des modules de productivité. Ouais, des modules de productivité, visiblement. Et les modules de productivité, qu'est-ce qui manque? Pas grand-chose, mais vous êtes juste lent, il en faudrait plus. Non, pardon, c'est les faux. C'est des circuits électroniques qui vous manquent. Ok, très bien. Il faudrait donc plus de circuits électroniques. Ouais, parce que du coup, là, les trucs rouges... Prochaine update qu'on peut faire, c'est la capacité des bras robotisés 5. Ah non, on l'a déjà fait celle-là. Normalement, ils commencent à être pas mal nos bras. Ouais. Non, là, ce qu'il va falloir améliorer, c'est encore ces putains de circuits électriques. Hein. On va foutre une machine ici, là. Il faudra juste décaler ce truc d'une caisse vers le haut. Ça va pas marcher par contre. Ça c'est tout neuf ça. Ah si, ça devait être parce qu'il faut qu'ils arrivent sur l'autre. Ah putain, oui, merde. Oh là là, bordel de fil dans le coin là. Ah, dégage toi. Voilà. Donc là je me suis foiré, il faut qu'ils arrivent sur l'autre ligne. Fonctionner tout ça, voilà. On n'a plus du tout de lubrifiant, c'est normal? C'est pas normal, enfin si c'est normal, mais c'est normal parce que je m'en suis pas occupé. Mais ça devrait ne plus être normal à un moment. Tac tac tac. Non, on n'en a plus du tout. Ouais, parce que nos réserves des autres gaz doivent être pleins, donc du coup ça fout la merde tout simplement. Normalement ça devrait être pas mal. Alors il me faut le bras filtrable ici. Toc, seulement des barres de plastique. Et il te faut... Oh putain, mais sérieux, c'est quoi ces poteaux quoi? Un petit poteau électrique. Allez, c'est parti. Normalement là on devrait être bien. Voilà, c'est sur le bon côté. Parfait. Ensuite toi, tu fais... des circuits électroniques, il te faut du fer, il te faut du cuivre, non, pas du cuivre ici, du cuivre là, il te faut un grand bras, hop, il te faut un poteau, voilà, ici on va foutre du comme ça. Bon, on a rajouté un petit peu à la production de... C'est toujours ça de prix. Et on roule. Ah, ils vont t'approvisionner en cuivre. Très bien. Je sais pas exactement pourquoi. Mais... Bah, t'as dû faire une demande de cuivre, probablement.
Ici on a un petit peu d'acide sulfurique, c'est pas moi qui l'ai fait ça, c'est toi non? Les 4 réservoirs d'acide sulfurique là. Ouais. Ok. Et le lubrifiant, ouais, le lubrifiant c'est juste la dèche quoi. Bon. Je vais vite fait poser les panneaux solaires et après je regarde le lubrifiant. C'est parce qu'on est dans le raffinage avancé, on n'a plus de pétrole lourd. Parce qu'en fait on fait rien du pétrole léger. Bah ouais, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est éventuellement une des raisons de... De comment... De faire des circuits avancés, là, des circuits logiques. Est-ce qu'il faut du pétrole léger ? Bah non, mais du coup tu peux te tu peux gérer ta production de manière un peu plus intelligente quoi. Putain, mais saloperie d'armes, barre-toi de mon chemin. Comme si on avait besoin d'armes. Armé sur le chemin, où ça va? Ah oui là. La joie des arbres. Allez, on pose ces deux derniers, ensuite. Hop. Et on réinjecte ça dans le circuit, voilà. Bon, je sais pas si ça va jouer des masses, surtout qu'il va faire nuit. Mais peut-être que demain ça pourra aider un peu. Alors, le lubrifiant, oui, faut soit stocker, soit consommer des trucs, et je pense que là, des choses qui mettent. Qui mettent ce qu'il y a de trop en baril, ça pourrait être utile. Alors, ici on envoie. Pour débloquer, j'ai juste défait le stock et je l'ai remis. Hein, de toute façon. Ah oui, je me disais, c'est quoi, c'est le pétrole léger qui était plein? Ouais. Le pétrole léger, je sais pas trop à quoi il peut nous servir. C'est pas du... Il faut s'en servir pour comme carburant, mais je sais pas qu'est-ce qui peut fonctionner avec. C'est ça le souci. On peut s'en servir pour faire du gaz de pétrole. C'est vrai? Ouais, avec de l'eau et du pétrole léger, on peut faire du gaz de pétrole. Bah, tu sais quoi, je vais mettre une raffinerie juste en dessous. Je vais choper le pétrole léger, je vais le mettre dans la raffinerie pour l'injecter sur le gaz de pétrole vu que on est en dèche. Bah écoute, ouais, ça me paraît pas déconnant. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Parce que t'es sur le chemin. Merde, excuse-moi. Je suis en train de regarder la raffinerie là qui fait du. Qui fait justement du pétrole lourd. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement en faire? J'ai pas la recette, il faut faire quoi? Il faut brancher tout et puis la recette apparaît. Alors attends, c'est peut-être pas dans une raffinerie. C'est dans une usine de produits chimiques. Attends, j'en ai une dans mon inventaire, je crois. Non, peut-être pas. J'en ai pas une là il y a deux secondes? Moi j'en ai une. Ah non, c'est une raffinerie que j'ai. Oh, pardon. On peut faire du lubrifiant directement avec du pétrole lourd. Normalement, t'as craquage du pétrole léger en gaz pétrolifère. Tiens, je te l'ai mis. Ah ouais. Parfait. Par contre, je pense que tu l'as mis trop proche des rails pour rentrer là. Attends, je vais tester. Et il y avait un truc aussi qui était assez intéressant. Je lisais ça, je tombais là-dessus la dernière fois. C'est que le. Alors, ça a peut-être changé maintenant, mais. Le réservoir là il fait 4 sur 4, il stocke 25k. Alors que dans un baril tu peux mettre 500 je crois ou 1k, un truc du genre. Et dans un coffre tu peux mettre 11 barils ou 12 barils. Ah non c'est 50 maintenant, non ouais, donc ça a dû être ajusté. Je suis tombé là-dessus, je sais plus sur un guide ou sur le wiki, mais ça a dû être ajusté, c'est plus vrai maintenant. Ça y est, on est reparti pour fabriquer un petit peu de lubrifiant. Je dois refaire un petit truc un peu absurde, mais pas de choix. Pourquoi on a des tapis jaunes encore ici, là? Vache. Ça pique. Bon, ça
C'est pas comme si on en avait besoin, mais bon, quand même quoi. Putain de tuyau. Voilà. Quand même. Un tapis rouge quoi, sérieux. On va aller relancer une petite production de tapis, je pense. Donc ici. Putain, ça va pas vite hein. C'est plein ici, c'est absolument pas plein. C'est quoi le problème là? Il n'y a plus d'engrenage. Ah bah ouais, bah non mais oui, bah forcément. Le mec il vire un, il met un coffre pour stocker les tapis bleus, mais il enlève un bras pour ça, il remet pas le bras. T'es normal, ça marche pas. Mais si, il y a le bras vert qui peut aller. Hein. Ouais, mais sauf que t'as enlevé le bras qui chargeait les engrenages pour fabriquer les tapis rouges, et tu l'avais pas remis. Ah bah ça, on avait une réserve de tapis rouges énorme. Bah oui, mais du coup on transforme plus les tapis jaunes. C'est l'idée aussi, c'était de convertir les tapis jaunes en tapis rouges. De toute façon, pour l'instant, on a toujours un problème de lubrifiant assez pesant. Il va falloir vraiment, vraiment faire plus. Ouais, bah surtout qu'on s'en sert de pas mal pour les potions aussi maintenant. Mais oui, de toute façon, un seul, c'était à peine suffisant, je crois, pour les potions. Maintenant qu'on s'en sert pour beaucoup plus de trucs. Je te laisse t'en occuper si tu veux. Ouais, moi il faut que j'aille faire le tour en haut. Ici aussi. On a encore du jaune, bon après c'est pas non plus pour un bloquant, mais. Parce que là ça se voit, hein, je l'avais posé là totalement à l'arrache, la raffinerie, mais. Il fera peut-être un moment vraiment tout refaire quoi. Ouais, je pense que là, pareil, normalement, on doit avoir moyen. Là, on faisait du pétrole brut vers du gaz pétrolifère. Si on transformait toutes ces raffineries-là pour faire du pétrole lourd et tout, ça serait probablement beaucoup plus intéressant. Il faudra vraiment tout refaire, quoi. Après, je peux m'y atteler, hein. Voilà. Oh, je l'avais pas vu venir, celui-là. Merde. C'est vrai que c'est risqué aussi travailler là. Non. Ouais. Bon bah, je surveille ton cadavre, c'est bon. Avec la vitesse à laquelle il va, c'est vraiment. Ah bah ouais, là en plus on est en train de finir la force de freinage 4 là. Là on est d'accord que c'est vraiment la teuf. Bah du coup si on virait ça d'ici, on pourrait le mettre où? Par exemple dans la zone qui est là, ça serait un peu plus safe, genre on condense les trucs de pierre. On va condenser ça. Ok, ça commence bien, je misclique. C'était dès le début, je misclique. Hop, hop. Alors non, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, zut. Je vais couper juste pour pouvoir avoir un truc où décharger toute ma caillasse, parce que... Allez, marrez-vous. Ouais.
On consomme pas des masses de caillasse sur ce truc. Putain, ouais. Les coupures de courant, hein, c'est de pire en pire. Hein. Allez, on va évacuer un petit peu de cailloux. Histoire de vider l'inventaire. Et après, on va s'occuper vraiment sérieusement de faire des chaudières et tout. Parce que là, c'est vraiment pas possible. Juste les panneaux solaires. Échec. Bon, ça fera le taf pour l'instant. Bon, le pétrole ou l'énergie? That is the question. Sachant que si je commence à construire d'autres raffineries, il n'y aura pas assez de courant de toute façon, donc... Je vais m'occuper de l'énergie. Ok, bah, je m'occupe du pétrole. Je vais faire une ligne de plus au-dessus. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait de la place encore en haut, t'as raison. Locomotive Mike Takumi, la classe. Par contre, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On s'occupera du coup de la suite. Pour la suite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire. Je vais jeter un œil du coup en off là au commentaire, mais me dire où je m'étais planté dans les tapis parce que j'ai pas retrouvé. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.